génial, là, je viens de terminer le défi du jour et écoutez bien à la fin, je prends une petite minute, c'est très important. Les gars, c'est Valentin. Aujourd'hui, on se retrouve pour le défi du jour numéro 7. Ah, ta gueule. Vous avez été un peu chaud, certains. Genre, vous m'avez dit de faire des tricks de bâtard, donc je vais quand même essayer de les faire, quitte à m'acharner un petit peu. Et donc, du coup, voilà, c'est parti. Évidemment, si vous voulez un prochain défi du jour, cette fois-ci, c'est 30 likes. 30 likes, les gars, n'est-ce pas? 35, 35. Non, 30. 30 likes minimum. Car l'autre fois, j'avais demandé juste 10 likes, j'en ai eu 20, 27, je crois. Donc là, faut les 30 likes. Allez, c'est parti. Alors du coup, on commence par Camille, ma copine, et Paolo Villano qui m'avait dit de faire quad whip. Negro. Bon. Regardez, il me reste un clip de rechange, du coup je l'ai mis. Très très joli. Regardez. Waouh. C'est ça. Bon, ok, il était un peu sale, mais vraiment, c'est un truc hyper crevant. Et en plus, j'ai changé de deck hier, donc c'est vrai que ça me change parce que la USB 3 était beaucoup plus léger. Bon, le code, lui, je viens de le regarder. On aurait dit qu'il n'est pas mis, mais si mon pied a légèrement touché le deck. Bon, voilà, il est un peu dégueulasse. Hein. Alors maintenant, je vais passer au défi de Logan, qui est juste là, qui a participé. Il m'a dit de faire quad whip crossfoot, mais vu que c'est un petit peu dur, vu que là, déjà, je viens de galérer à ça, je vais faire triple whip crossfoot. La retomber, ça m'a un petit peu fait mal à la cheville. Bref, c'est plaqué. Désolé si c'est un peu sombre, mais le soleil s'est caché. Bon, alors maintenant je vais passer au défi de Félicien. Donc voilà, vous l'avez sûrement dit dans tout moment. Alors moi je vais dire oui. Et là il m'a dit de faire figure heel. Autre sens quoi. Ça va être. Je l'ai jamais mis. Wouhou. Bon, alors maintenant on passe au défi d'un abonné super sympa. Il s'appelle Théo. Donc sur son Instagram c'est Théoné. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Il est super sympa. Il m'a dit de faire 3-6 double whip. Alors sachant que comme vous savez, les 3-6 où il y a le deck qui tourne, je ne suis pas à l'aise. Donc 3-6 double whip va être dur. Mais si jamais j'arrive pas, je referai comme la dernière fois, je ferai 3-6 whip. Vraiment ça va pas être possible, j'y arrive pas, donc je vais faire double fois j'avais déjà fait 3 cycles, je vais faire 180 double loop. Excusez-moi pour la luminosité, hein, vraiment les images c'est chiant. Alors maintenant je vais passer au défi de Loïc Chotard, il m'a dit de faire double heal Riwen. Alors ça va être très compliqué mais je vais quand même essayer. Et si quand je passais tout à l'heure, vous entendez du bruit là? Putain de merde. Bon, là je viens d'essayer, vraiment j'y arrive pas. Je suis pas assez à l'aise au heal pour faire ça, donc je resterai dans plusieurs mois. Ça passera peut-être. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme dans mon intro, quelque chose que je mettais il y a super longtemps, et qui est beaucoup plus dur. C'est double whip et wide. Donc ça nique les pieds. Donc et vu que j'ai des petites chaussures, bah, je sais pas si je vais. Maintenant je passe au défi de Maxence Lartigue et Tsugu TV. Alors ils m'ont dit de faire Finger Rewind. Alors vraiment ça va être compliqué, donc je vais quand même essayer, mais je vous promets. Putain, je n'ai pas mal à la vie. Vraiment, je suis trop épuisé, je peux pas faire ce trick. C'est vraiment trop mal et je me suis dit au pire, je pourrais en passer par un autre trick, genre finger double et tout. Mais j'avais déjà fait dans les autres défis du jour, donc tant pis, ce trick j'abandonne, vraiment trop dur. Maintenant, je passe au défi de. Je sais plus le nom, je vous dis ça après.
Alors il m'a dit de faire bar to finger whip. Alors speed dirt, en plus moi j'ai appris rotor, si on apprend en full c'est plus facile. Par exemple bar, finger whip, il n'y a pas besoin de mettre la main, mais moi c'est beaucoup plus dur, en plus là je suis mort. Donc je vais juste faire un essai, je sais que je vais pas le mettre. Tant pis, et écoute, et restez jusqu'à la fin, faut que ça. Voilà, donc restez jusqu'à la fin, faut que je dise un truc. Bon alors voilà, c'est terminé, donc j'espère que voilà cette Tetris que j'aurais mis vous a plu, même si j'ai pas pu en rentrer toi. Les gars, essayez de mettre Tetris moins... avec genre les... Arrêtez de mettre genre des 3-6 Doom, machin, ça vous savez, j'aime pas, voilà, donc j'y arrive pas. Le jour où je vous dirai de remettre, vous pourrez. Alors du coup, là, ce que je vais faire, c'est que... voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que les défis du jour tout le temps sur la rampe, c'était chiant. Parce que du coup, voilà, j'arrive à moins de trucs. Alors, regardez bien le Game of Scoot, le gars de VS Vikings. De toute façon, on a eu 300 vues, donc je pense que vous l'avez vu. Et le prochain défi du jour, je le ferai dans ce skatepark là. Voilà, balancez vos tricks en skatepark. Voilà, parce que là, au moins, ça va être vraiment cool. Par contre, pas des tricks trop gros, genre, ça sera plutôt des tricks en courbe. Genre, allez-y, balancez les bras et les bras, oui, ce que vous voulez. Ça va être cool. Et donc, du coup, voilà, par contre, il sortira dans longtemps parce que je ne retourne pas au skatepark tout de suite parce que la semaine prochaine, je ne peux pas. Et l'autre, peut-être. Une dernière chose et après je vous laisse. Alors du coup, comme vous avez pu le voir, maintenant je fais moins de vidéos. C'est tout simplement parce que maintenant il y a les cours, j'ai moins le temps. Ça commence à être l'hiver, enfin c'est l'automne, il commence à pleuvoir de plus en plus. Donc voilà, maintenant il va y avoir beaucoup moins de vidéos. Donc je vais essayer d'en faire maximum une par semaine. Et donc du coup voilà. Allez, je vous dis à bientôt.